Bonjour, non pas moi, c'est Donald Norvelus. Alors, nous retournons encore dans une série d'exercices. Je veux dire, on a traité un exercice sur probabilité. Alors, l'exercice là pour nous-mêmes, après ça, on a résolu ensemble. On donne trois boîtes telles que la boîte 1 contient 10 ampoules électriques, dont 4 défectueuses. La boîte 2 contient 6 ampoules électriques, dont 1 défectueuse. La boîte 3 contient 8 ampoules électriques, dont 3 défectueuses. Alors, on vous demande de représenter cette situation par un nappe pondéré. Et ensuite, on choisit aléatoirement ou au hasard et on extrait une ampoule au hasard. Donc, on choisit une boîte au hasard et on l'extrait une ampoule au hasard. Ici, on vous demande de trouver la probabilité pour que l'ampoule soit défectueuse. Et ensuite, la probabilité pour que l'ampoule défectueuse est choisie dans la boîte 3. Alors, situation ça, nous allons représenter à partir de arbre pondéré. Donc, on nous répond à la première question, qui c'est représenter situation sur arbre pondéré. Donc, ici, les questions de trois boîtes. Et chaque boîte, il y a là-dedans des ampoules. Et parmi les ampoules, nous trouvons des ampoules qui défectueuses. Et ensuite, nous trouvons des ampoules qui normales. Donc, on nous représenter situation ça. Alors, s'il a choisi aléatoirement, ou du moins au hasard, trois boîtes, donc c'est que probabilité pour que je choisisse boîte 1, c'est un tiers. De même, probabilité pour que je choisisse boîte 2, c'est un tiers. De même, probabilité pour que je choisisse boîte 3, c'est un tiers. Donc, par contre, en nous fait structure arbre noir, c'est comme si nous venions gagner trois branches. Nous relais ça. Choix que je suis capable de faire pour me venir boîte 1. Choix que je suis capable de faire pour me prendre boîte 2. Choix que je suis capable de faire pour me prendre boîte 3. Non, c'est au hasard, il a choisi une boîte, et c'est dans la boîte là, il a choisi une ampoule. Donc, moi, j'ai trois possibilités devant. Soit que je prends boîte 1, soit que je prends boîte 2, soit que je prends boîte 3. Alors, probabilité pour me prendre boîte 1, c'est un tiers. Pour me prendre boîte 2, un tiers. Pour me prendre boîte 3, un tiers. Alors, dans la boîte 1, nous avons deux qualités d'ampoule. Nous avons là-dedans des ampoules défectueuses, que nous mettons D pour lui-même. Et ensuite, nous avons des ampoules normales, que nous mettons N. Dans la boîte 2, nous avons encore des ampoules défectueuses, que nous mettons petit D. Et ensuite, des ampoules normales, que nous mettons N. Et de même aussi, dans la boîte 3, nous avons des ampoules défectueuses. Et ensuite, des ampoules normales. Donc, mes structures arbre que vous demandez dans la question A. Mais sauf que, bon petit détail que nous pas supposé oublier, puisque nous avons une quantité d'ampoules qui est dans la boîte 1. Vous dites que la boîte 1 il a donné 10 ampoules, donc 4 défectueuses. Alors, si il y a 10 ampoules et que 4 la donne défectueuses, c'est-à-dire 4 dans 10, donc si nous simplifions ça par 2, ça devient 2 cinquièmes. Donc, moi gagne 2 cinquièmes. Choix que je suis capable de faire pour me prendre une ampoule défectueuse dans la boîte 1. Et nous gagnons 3 sur 5 ampoules normales. Donc, il faut somme ça par l'unité. De même tout, il faut que somme ça tout par l'unité. Lorsqu'on a un tiers plus un tiers plus un tiers, ça donne 1. Alors, de même, si on a 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça donne 1. Maintenant, pour boîte 2, nous gagnons combien d'ampoules qui défectueuses? Dans la boîte 2A, nous avons 6 ampoules, une défectueuse. Donc, on a choisi la probabilité que nous prenions une ampoule défectueuse, c'est 1 sixième. Il y a une ampoule sur 6 qui est défectueuse. Alors, si nous avons une 6 qui est défectueuse dans la boîte 2A, c'est que nous avons 5 sur 6 qui est normal. Pas oublier, j'aime bien dire, il faut que somme ça par l'unité. Lorsqu'on a 1 sixième plus 5 sixième, ça donne 1. Dans la boîte 3, nous avons combien d'ampoules là-dedans? Nous avons 8 ampoules, dont 3 sont défectueuses. Alors, si 3 défectueuses dans 8, alors combien qui est normal? Nous savons qu'il y aurait 5 huitièmes qui est normal. Donc, mais comment on est capable de représenter la structure arbre? Arbre que vous m'avez dit, non? Arbre pondéré. Hein? Nous représentons comme ça. Donc, nous avons trois premières branches qui disent nous en face de trois choix possibles, puisque je t'ai dit que
N'a choisi au hasard trois boîtes, une dans trois boîtes. Donc, nous capable de boîte 1, boîte 2 ou bien boîte 3. Et ça fait nous mettre un tiers, un tiers, un tiers. Et ensuite, dans boîte 1, nous avons deux qualités d'ampoules. Les ampoules défectueuses et ensuite les ampoules normales. Et n'oubliez pas, si 6 ampoules, si 4 ampoules sous 10 défectueuses, c'est comme si nous avons dit 2 cinquièmes sous 10 défectueuses. Alors, nous finissons avec question numéro 1. Maintenant, pour deuxième question, nous. Alors, de préférence, nous mettez un ici et petit 2 ici. Maintenant, pour question numéro B. Il m'a dit nous pour nous. On choisit au hasard et on extrait une ampoule au hasard. Il m'a dit nous pour nous déterminer la probabilité pour que l'ampoule défectueuse là. Oui, quelle est la probabilité pour que l'ampoule soit défectueuse? Alors, pour nous joindre la probabilité pour que l'ampoule soit défectueuse, nous avons gardé ensemble de chemins qui conduisent à une ampoule défectueuse. Disswapper cette probabilité-là. Alors, mon budget est beaucoup plus bref. Swapper cette probabilité. Cette probabilité. Alors, nous allons regarder ensemble de chemins qui conduit à une ampoule défectueuse. Alors, c'est somme probabilité ça que nous allons faire. Alors, qui premier chemin qui conduit nous à une ampoule défectueuse? Nous avons ces chemins, un tiers, deux cinquièmes. Donc, nous avons fait première probabilité ça, qui c'est un tiers multiplié par deux cinquièmes. Plus. Qui l'autre chemin qui a conduit à une probabilité à une ampoule défectueuse? Nous, c'est chemin ça. Chemin boîte 2, un tiers, un sixième. Alors, qui l'autre chemin qui conduit nous à une ampoule défectueuse? C'est chemin un tiers ça, boîte numéro 3, 3 huitième. Alors, qui ça nous remarque? Donc, pour que nous venions probabilité pour que l'ampoule soit défectueuse, donc soit que nous choisissons dans la boîte 1, soit que nous choisissons dans la boîte 2, soit que nous choisissons dans la boîte 3. Donc il y a trois chemins qui conduisent à une ampoule défectueuse. Alors par contre, on fait cette somme-là. Ici on a une fois 2, ça donne 2 quinzièmes. Et ça donne 1 dix-huitième. Et ça donne 3 24e. Alors, le dénominateur commun, je crois que c'est 360. Alors, lorsqu'on divise 360 par 15, 24 fois 2, ça donne 48. Et ça, lorsqu'on divise 360 par 18, je crois que cette somme-là va donner 20. Et lorsqu'on divise ça par 24, et ça donne 15, je crois, multiplié par 3, ça donne 45. D'où la somme est 113 sur 360. Donc, c'est probabilité ça que nous sommes capables de joindre pour que nous choisissions une ampoule qui est défectueuse. Et pour numéro 2, la petite BA. Alors, c'est simple. On vous demande de trouver la probabilité pour que l'ampoule défectueuse est choisie dans la boîte numéro 3. Donc, c'est simple. On a juste choisi chemin boîte 3. Donc, on a dit soit A, cette probabilité. Alors, je pose A est égal à un tiers multiplié par 3 huitièmes. Ce qui nous donne 3 24e. Et par la suite, un huitième. Alors, si on simplifie par 3, ce n'est pas la peine de faire la multiplication si on peut simplifier par 3. Donc, voilà la probabilité pour que nous choisissions une ampoule qui est défectueuse,
que nous venons dans la boîte numéro 3. Donc, exercice ça, on peut poser d'autres façons. Si on a 36%, soit que on mette 25%, alors on a toujours mis, lorsque on a 36%, on a juste mis 36 sur 100. Et là, on a 25%, on a juste mis 25 sur 100. Alors ça, c'est en place si toutefois on a une quantité. Alors si on a une quantité, on a un pourcentage, nous avons toujours fait la même façon. Mais sauf que toujours maintenant, tête nous, faut que somme ça baille 100% et faut que somme ça baille aussi 100%. Donc ça c'est autre chose pour d'optique d'exercice de ce genre. Donc par contre, cet exercice ça nous t'est porté pour nous-mêmes sous probabilité, à savoir comment déterminer la probabilité à l'aide d'un arbre pondéré. Alors on espère la prochaine fois, nous va faire d'autres types d'exercices de ce genre. À plus, à la prochaine.